Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui les amis, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 1. Ça fait un petit moment que je vous ai pas proposé de petits gameplays détente en live commentary sur ce fameux Black Ops 1. Et puis je me suis dit, bah aujourd'hui, pourquoi pas vous faire une petite partie. Donc je joue avec la commando viseur laser et nous sommes sur la map Summit, une map que j'aime beaucoup, qui est apparue pour la première fois du coup sur Black Ops 1. En espérant que ça se passe bien au niveau du gameplay, je vais essayer de pas trop me faire défoncer, en espérant voilà, faire une bonne petite partie. Je voulais vous faire cette vidéo aussi pour vous montrer que sur PlayStation 3, les Call of Duty, les serveurs ne sont pas fermés parce que je reçois encore beaucoup de commentaires. Me demandant est-ce que les serveurs PS3 sont toujours ouverts? Bah, la réponse c'est oui, hein, bien entendu. Il n'y a pas eu de fermeture des serveurs sur Call of Duty sur PS3, donc ils sont bel et bien toujours actifs. Mais bon, je reçois toujours quelques commentaires me demandant est-ce que les serveurs sont toujours bien ouverts? La réponse est oui sur tous les Call of, et puis en plus de ça, il y a quand même un petit peu de monde. Alors, il n'y a pas non plus 15 000 personnes sur les anciens Call of. Mais voilà, il y a à peu près, là au jour d'aujourd'hui, enfin aujourd'hui, j'ai lancé le jeu, il y avait à peu près 800 personnes en ligne. Donc, je trouve que c'est quand même assez correct. Bon, je vais essayer de me concentrer un petit peu parce que là, je fais du 3-4, c'est vraiment pas terrible. Et bah, je voulais quand même vous proposer des meilleurs gameplays parce que c'est vrai que les derniers gameplays que je vous ai proposés sur les Call of sont quand même pas terribles. Donc je voulais vous faire quand même un bon petit gameplay. Ça a l'air de un petit peu mal se passer pour le moment. On va essayer quand même de faire quelque chose. Alors je pensais avoir le premier mec, mais au final, non, pas du tout. J'ai eu le mec qui était planqué derrière le mur. Enfin bref, en tout cas, ce mythe, une map que j'aime beaucoup. Pour une fois aussi, je joue pas au silencieux habituellement. Je joue toujours au silencieux avec la commando pour être vraiment en mode furtif. Mais c'est vrai que là, j'ai décidé pour une fois de laisser le silencieux et de prendre le petit viseur laser. Alors, je vais peut-être pas faire tout mon gameplay aussi à la commando. Non mais je suis vraiment nul à chier aujourd'hui ou comment ça se passe? Je vais peut-être pas faire non plus voilà le gameplay tout à la commando. J'aime beaucoup le sniper hein, sur Black Ops. Je le maîtrise plutôt pas mal, donc après pourquoi pas vous proposer une petite partie aussi avec le L96. Ouais, en tout cas ça se passe. C'est pas terrible hein, au niveau du gameplay, je suis vraiment désolé pour ça. En espérant que ça s'améliore un petit peu. Alors aussi j'ai un petit... Enfin, ok, d'accord. J'ai un vilain défaut. Le problème c'est que je rush trop aussi. Et ça peut être vraiment un défaut de trop rusher parce que du coup on est très, très vulnérable et on n'a pas le temps, pas vraiment le temps d'anticiper les ennemis. Alors pour certains c'est... Ok. Alors là on a l'inverse total du rush, c'est-à-dire la camp totale. Bien un mec là. Non, ok. Ok. Un cobra ennemi en plus. Ouais, moyen quoi. À tous les coups je vais me faire tuer par le cobra, non? Ça va arriver par là, hein. À mon avis. Ah là, le cobra. Ça, c'est le fameux cobra qui me tue. Bon, on va camper un petit peu, hein. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui campe, donc du coup, bah, non. Pour moi, camper, non, c'est pas terrible, quoi. Mais en fait, c'était un... Ok, c'était même pas un allié, c'était vraiment un ennemi, en fait, à côté de moi. Je pensais que c'était un ennemi, mais... Au final, non. Oh là là, je sais même pas par où les ennemis vont arriver en fait. Je sais pas, j'arrive pas à anticiper sur cette game. C'est un petit peu dommage. Ah, ils sont en haut en fait. Ok.
Allez, on se concentre un petit peu. Tranquille. On va essayer d'enchaîner. Ok, on va essayer d'enchaîner les kills. Bon, j'ai fait du 12-12. Ouais, vraiment pas terrible au niveau de la game. Je suis vraiment désolé par rapport à ça. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous inquiétez pas, les prochaines vidéos, je vais vraiment m'améliorer. On va dire que je suis tombé sur une mauvaise game, mais en tout cas, voilà, je suis quand même premier de mon équipe. On peut voir Luisi Carmen 21 qui a fait un magnifique score de 0,15. Félicitations à lui, il a même pas réussi à faire un kill. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, commenter un maximum, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez pour la prochaine fois, quel call-off vous voudriez. Et puis, on se retrouve très vite. Allez, salut!